Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle pour vous faire vibrer pendant ce match le duo Da Fonseca, Da Silva, la team Dada au grand complet. Ça va être un plaisir de vivre ce match important et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Et voilà, on y est. Quel plaisir de nous retrouver ici. J'ai hâte d'assister au coup d'envoi et de voir ce que nous réserve ce match. Les Dream Destroyers qui vont démarrer avec l'équipe suivante. Rapidité, endurance, organisation. Ce 4-4-2 à plat, c'est un classique, mais c'est indémodable dans le football. Et voici donc le 11 qui va démarrer. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. Sterling le tire. Oh oui, l'intervention. Bien joué le gardien. Le corner de Kimmich. Quel arrêt splendide! Énorme réflexe! Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose! La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Avertissement sans frais pour l'instant, pas de carton. Très bien, elle fait de la prévention. La répression, ça sera pour plus tard. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Faute, mais l'arbitre laisse jouer, avantage. Et une bonne contre-attaque peut-être. Hugo Sanchez. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Attention, voilà un bon duel. Oh, il y a encore le feu. Ah, et donc l'action s'arrête là. Attention ce tir. Bonne intervention du gardien. Oui, bien défendu.
Bon crochet vers l'intérieur. Elle a frappé contrée. Le ballon pour Zule. Oui, c'est bien fait. Et pour faire trembler les filets, c'est le buteur mythique mexicain, Hugo Sanchez. C'est un but d'asphyxie, de répétition, d'insistance, d'exigence. C'est un but qui étouffe la défense. C'est un but moderne qui nous gardera dans la nostalgie. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Elle frappe contrée sans souci. Et il se défait l'adversaire direct. Ah, l'intervention catastrophique. Ballon arrêté, mano tasso. Incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Mais le gardien est allé la chercher. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Bonne pression défensive, le ballon sort. Caruso. Et ça joue vers Di Marco. Paola Fernandez. Ballon récupéré dans le camp adverse. Michael Olise. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre ? Et ça, pour l'arbitre, ça vaut un carton jaune. Eh oui, c'est parfaitement normal. Allons, balle au pied. Ah, il peut frapper pour égaliser. Oh, la faute et du coup, un coup franc très dangereux à venir. C'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et donc début de cette première période.
le début de la seconde période. Il y a un but d'écart. Les Dream Destroyers peuvent encore revenir dans ce match. Il élimine son adversaire. Et oui, bien aidé là sur cette action. Le ballon est récupéré. Michael Olise. Ah, la différence est faite. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Le ballon en douche. Allez, changement donc. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Baliou, ça arrive pour Schmitt. Hugo Sanchez. Paola Fernandez. Magnifique ce contre. Corner. Et c'est donc la possibilité de faire le break. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et le tir. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Et le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Et la frappe. Bonne intervention du gardien. Cette distance, pourquoi pas. Et ballon capté sans problème pour Ederson. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance, ça pourrait profiter. Le ballon qui est récupéré, tout le monde repart à l'attaque. Côté tribune, le public se levait d'un coup. Un but suffirait. Intervention de la défense sur ce duel, le ballon est en corner. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse et il y croit à cette égalisation. Vers le point de pénalty. L'équipe a beau ne pas jouer devant son public. Elle monopolise le ballon depuis un petit moment. Le tout en se créant pas mal d'occasions de marquer à nouveau et de faire le break. Ça va être compliqué pour le rival maintenant. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Arrêt de jeu. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement.
Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini. L'égalisation est encore possible. Sanchez. Oh là là, la balle de match. Oh, c'est raté. Plus que quelques minutes à jouer et toujours ce petit but d'avance. Une énorme opportunité gâchée. Et la jolie passe dans la profondeur. Ouais, bien défendu, sans faute. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Haaland. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Et c'est donc une position de hors-jeu signalée. L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et avec les arrêts de jeu, nous aurons droit à 4 minutes de temps supplémentaire. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Ah non, ça s'arrête là. Zalewski. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre là l'a considéré que cette faute méritait un carton jaune. Il a raison. Et voilà, l'arbitre intervient et siffle la fin du match. Et donc, ça se termine avec une victoire à l'extérieur. Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes. Un duel extrêmement disputé jusqu'à la fin. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Attention, ce tir. L'intervention du gardien.
La frappe est contrée. Oui, c'est bien fait. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout. Et la frappe. Bonne intervention du gardien. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini. L'égalisation est encore possible. Hugo Sanchez. Voilà la balle de match. Oh, c'est raté. Plus que quelques minutes à jouer. Et toujours ce petit but d'avance. Une énorme opportunité gâchée. Thank you.